comme l'hymne Déborah Blandine, mon faisait, c'est mon mantio, je viens de Tanda. En ce soir, je veux dire merci au Seigneur Jésus-Christ. Il faut dire, avant, j'étais à Yopougon. Là-bas, je vivais avec un homme, c'est un musulman. Et nous sommes restés ensemble, j'ai eu un enfant. Et après encore, il y a eu un enfant, il s'est allé faire avotement. Là, après mon avotement, vraiment, ça n'allait pas. Je souffrais, j'avais mal au ventre. Toujours, j'ai douleur ou mal au ventre. J'ai payé les médicaments, j'ai fait les canaries, mais rien ne va. Et j'ai décidé comme ça de quitter les gars pour aller au village. Arrivé à Tanda, les missionnaires de Tanda ont fait présentation de flim. Si avotement, quand j'ai regardé, vraiment, j'ai pleuré ce jour. Le pasteur a dit, celui qui a une fois fait avotement, qu'il vienne se repentir pour ses péchés. Je me suis levé, j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à demander pardon à Dieu. Et après ça, j'ai eu à faire mon brisement des liens, repentance. Et il faut dire, quand j'ai fait mon avotement, je ne voyais plus mes règles. Je souffrais vraiment, mes règles sont coupées. Mais après ma repentance, et la voix m'a dit, va dans la douche. Quand il s'est arrêté, j'ai vu vraiment que j'ai eu mes règles. Je veux dire merci au Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Il m'a béni avec un homme. Je me suis mariée le 24. Vraiment, je veux dire merci au Seigneur. Que l'honneur et la gloire reviennent au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je veux dire merci au Seigneur qui m'a guéri de l'obésité. Alléluia. Et il faut dire que l'année passée, c'était un de mes sujets. Et papa a dit ici qu'après le montant des principautés, Dieu va faire des choses qui vont dépasser l'entendement humain. Et juste après le montant des principautés, il y a eu le camp biblique et papa enseignait sur la consécration. Et j'ai commencé à travailler sur la consécration. Et frère, c'est lors de la consécration que le Seigneur m'a délivré. Et il faut dire que j'étais amie avec une personne. Et pendant la consécration, le Seigneur me faisait comprendre de briser la relation. Et il y a une situation, cette personne m'a insultée, blessée chez mes parents à la maison. Et dès que la personne a quitté la maison, est sortie de la maison, il y a une de mes robes depuis 2018 qui a disparu. Et ces jours-là, dès que la personne est quittée, la robe a réapparu sur le trousseau de mon bébé au salon. Et juste après, ma mère entre dans sa chambre. Un sous-vêtement qui avait disparu depuis 2018, c'est comme s'ils avaient tiré son tiroir. Et le sous-vêtement a réapparu. Et on sort, on voit un jupon de ma mère qui a disparu depuis 2018, mais qui était trempé d'huile rouge qui a paru sur la clôture. Et ce jour, mon père, ma mère et moi, nous étions là. Et c'est après ce jour que j'ai commencé à fondre, à dépérir. Et en espace de d'août à septembre, j'ai perdu 17 kilos. Et c'était vraiment difficile. Je buvais les thés, je faisais tout, mais rien n'allait. Et vu l'urgence, on a programmé mon brisement des liens. Et c'est là que Dieu va dévoiler les choses. Et il faut dire que quand j'étais jeune, j'ai acheté une bouteille de sucreries, on appelle Mirinda. Et ce nom m'a plu et je me suis surnommée Mirinda. Alléluia. Et au brisement des liens, une déesse se manifeste. Elle dit qu'elle s'appelle Mirinda. Et c'est là qu'on a compris toutes les choses. Et le pasteur Bruce Séverin qui était présent a dit, ah, qui comprend? Mirinda, c'est une sucrerie. Et sûrement, ce sont les calories. Alléluia. Et ils m'ont délivré. Et aujourd'hui, je suis en train de retrouver ma forme. Et partout où je passe, on me demande, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis simplement que c'est la délivrance. Et je vais dire merci au Seigneur qui a opéré ces miracles dans ma vie. Oh, flanc d'acclamation au nom de Jésus. À Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et je me nomme Kofiakisi Viviane, épouse Timothée. Mon frère dit, c'est maman Lucie Kwao. Gloire à Dieu. Et je dis merci à Dieu pour la délivrance, pour ma grâce l'année passée. Et pendant le renversement des principautés, je suis allée la chercher, si quand si pour venir à Tiokwa. Et pendant qu'on venait, mamie ne peut pas marcher. Elle ne peut même pas marcher.
si il fait jour aussi, s'il n'a pas pris mes comprimés, elle ne peut rien faire. Maux de tête, des pieds, furons partout. Gloire à Dieu. Quand on est arrivé ici, après quand on a fait 3 jours, 4 jours, et quand ils ont demandé qui va donner sa vie à Jésus, je lui ai dit que lève-toi, il faut partir. Et il est là. Après, il a insisté encore. Quand il est arrivé, le lendemain, ils ont fait sa repentance. Après la repentance, ils ont fait baptême. Gloire à Dieu, c'est là que Jésus va travailler. Pendant qu'elle venait, elle ne pouvait pas marcher. Quand on est parti faire baptême, on venait, elle a marché correctement. Après, deuxièmement des liens, on allait terminer ça à Opoyo là-bas. Pendant le renversement des principautés, vraiment Dieu a travaillé. Depuis ce jour, quand il a appelé, dit que ça va. Quand il a appelé, dit que ça va. Ok, après, avant, là, elle ne peut pas partir au marché, elle ne peut pas marcher. Mais Dieu l'a guéri totalement. Depuis ce jour jusqu'à ce jour, elle marche bien, elle va au marché. Gloire à Dieu. Et mon témoignage, le deuxième témoignage, cette année, il y a un cassette qui est dans mon portable, il regarde toujours quand papa parlait, papa m'a prêché, il dit, si tu marches selon ce que Jésus demande dans cet été, ce que Jésus a fait, et tu feras aussi. Et pendant que je suis en train de vendre pour promener, je suis allé trouver une femme. Là-bas, on ne peut pas marcher. 2 pieds paralysés. 1 an, 3 mois. Et quand je l'ai vu, je lui ai demandé, tanti, est-ce que tu crois que Jésus peut te délivrer, peut te guérir totalement? Il dit, je crois. J'ai pleuré, elle aussi, elle a pleuré. Et j'ai commencé à prier pour elle. Quand j'ai fini de prier, je suis rentré à la maison et je lui ai donné traité. Quand je lui ai donné traité, après, quand il a lu, fini, même je l'ai appelé. Il reste Paris. 1 minute. Gloire à Dieu. Quand il a appelé, ils sont partis. Après ça, il a accepté Jésus. Paralysé 1 an, 3 mois. Quand ils ont fait repentance, brisement des liens, la femme qui ne peut pas marcher, elle marche aujourd'hui. Dieu l'a guéri totalement. Donc, miracle a eu lieu. Dieu l'a guéri. Elle marche. Donc, je dis merci à Dieu. Amen. Acclamation à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Lucie Kwao, missionnaire numéro 2, résident dans le Bas-Sassandra, résident à San Pedro. Mon faiseur de disciples, c'est mon collègue Meunier. Je veux dire merci au Seigneur pour la guérison que le Seigneur m'a accordée. Il faut dire que l'année passée, lors de la croisade du renversement des principautés, il y avait des furons qui sortaient sur mon corps. Un sort de mon dos. Après, l'autre, en fait, mon corps était rempli de furons. Et quand nous sommes venus ici, j'ai dit au Seigneur qu'il me délivre de ces furons. Et nous avons prié comme ça que nous sommes rentrés. Et j'ai continué la prière. Il faut dire qu'après le renversement des principautés, les furons ont disparu. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus de furons sur mon dos. Amen. Et mon deuxième témoignage hier, nous sommes arrivés ici le vendredi. Frère, je ne pouvais pas m'asseoir dans le car parce que mon côté gauche me faisait très mal. Et je ne pouvais pas m'asseoir. Et quand nous sommes arrivés, je faisais avec. Et même j'ai dansé ici. Mais pendant la prière, hier, quand nous étions en train de prier, j'ai insisté, j'ai dit au Seigneur que cette douleur disparaisse. Et quand la prière est finie, frère, je ne me suis même pas rendu compte à quel moment les douleurs ont disparu. Je suis infiniment reconnaissante au Seigneur pour la guérison qu'il m'a offert. Offrant d'acclamation à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je passe là pour dire merci à Dieu pour tous ces merveilles faites dans ma vie. Moi, c'est Baniman Yao Yawa Angel. Je suis de Yabayo. Mon faisait des disciples s'appelle Papa Béfort. En tout cas, je passe là pour être reconnaissant devant l'Éternel.
parce qu'il est Dieu. Je peux dire, l'année 2022, tu as fait une fausse couche. Dans ça, l'enfant même était décomposé dans mon ventre. Nous sommes allés à l'hôpital. Je suis arrivée, avec toutes les analyses ont fait, on dit c'est gâté dans mon ventre. Ils m'ont nettoyé. En tout cas, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire sur moi. Je suis venue à la maison. Après, une semaine après, je ne peux plus respirer. Je n'arrivais plus à m'asseoir. Tout mon corps, je ne respire pas. Je me suis retournée encore à l'hôpital. Eux, ils m'ont prescrit des médicaments. Je suis revenue à la maison. Même chose. Je n'arrivais même plus même à respirer, même encore même. Je suis couchée. On m'a demandé d'aller passer radio. Je suis allée passer. Ils m'ont dit non, le poumon, le cœur est gros. J'ai des plaies, tout ça là. Je suis revenue à la maison. Avec des médicaments, j'ai fait. En tout cas, ça n'a pas été facile pour moi. Et le pasteur Baniment Toussaint est venu me chercher à Soubré pour m'envoyer à Yabayo 2022. En tout cas, je passe là pour être reconnaissante. Le radio, ils ont fait, découvre qu'au niveau de mon cœur, il y a, je ne sais pas, il y a une, bon, il y a une veine qui a coupé. Je n'ai même plus même trop là, je ne peux plus faire une semaine. Je ne peux plus vivre. Tous ces résultats étaient là. Seulement quand ils attendaient le jour, ça allait arriver. Mais Dieu a permis aujourd'hui pour que je sois parmi le peuple aujourd'hui. Dieu m'a ramené en vie. Avec tous ces médicaments que j'ai fait, banniment, tous ces m'envoyés à Yabayo, on a prié, en tout cas la prière à la CMCI. Il a fait beaucoup. Prière n'est pas prière. On est reparti. Aller passer encore deuxième. Quand nous sommes arrivés, ils ont dit banniment, Yahweh, Yahweh, Angèle. Il a dit oui. Que tout est normal. En tout cas, je passe là pour dire merci à Dieu pour tous ces merveilles faites dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je remercie le Seigneur pour ses œuvres merveilleuse qu'il a fait pour moi. Depuis hier, il m'a visité, en tout cas à deux reprises. Et à deux reprises, le Seigneur m'a visité hier. La première fois, j'ai rendu le témoignage. Et ce matin, je viens rendre le deuxième, qui est un témoignage de guérison. Il faut dire que depuis des années, je souffrais d'un mal de ventre. Et ce ventre, vraiment, ce mal, en tout cas, quand le moment arrive, que je fasse les menstrues, ce mal me fatiguait. Et je priais le Seigneur. À un moment donné, ça allait. Il arrivait des moments même où j'oubliais le mal. Mais quelquefois, ça reprenait. Et hier, quand le papa était en train de prier, il a prié pour contre les envoûtements. À ce moment, j'ai senti une manifestation qui était vive, en tout cas au niveau du bas ventre. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui dégageait de mon ventre. J'ai senti vraiment le mal. Le mal était vraiment, en tout cas, fort. Mais je me suis efforcé, mais je ne pouvais pas tenir. Je priais toujours le Seigneur. Et en fin de compte, tout a disparu. Je rends gloire au Seigneur parce que je crois qu'il m'a libéré de ce mal. Et plus jamais, je ne vais souffrir de cela. Je rends gloire au Seigneur au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Karine Huitin. Mon faisait des disciples, c'est le pasteur de Gonzague. Alléluia. Le Seigneur a produit un miracle, une guérison, une délivrance. C'est un bouquet de bénédictions de la part du Seigneur. Alléluia. Je me suis mariée en décembre 2021. Et pendant que nous nous marions, on m'avait diagnostiqué de grosses masses de fibromes. Et c'était, j'avais fait une série d'échographies qui avait confirmé que ces fibromes étaient placés là où même l'enfant devait se placer. Alléluia. Après le mariage, j'ai contracté la grossesse, mais la grossesse était cachée à cause des fibromes. Et c'était une grossesse très éprouvée, difficile, au point où je n'ai même pas pu participer au renversement des principautés l'année dernière. Les médecins eux-mêmes disaient que
ce n'était pas possible que l'enfant vienne au monde. Alléluia. Mais le Seigneur a produit le miracle. Le 27 septembre 2022, j'ai accouché d'un garçon. Alléluia. Ce n'était pas évident. Je dis que ce n'était pas évident parce que les épreuves que j'ai parcourues durant cette grossesse sont vraiment terribles. Mais je ne vais pas me mettre à étaler ça. Je rends toute la gloire au Seigneur pour ce qu'il a produit ce miracle. Que son nom soit béni. Acclamons Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Danielle, le professeur et disciple, le pasteur Kofi Emmanuel. Alléluia. Je veux dire merci à Dieu, lui qui m'a guéri. Amen. Je veux dire que j'étais malade pendant 8 ans. Mon visage était déformé. Et l'année passée, à Tchoukwa, papa a dit qu'on n'a qu'élevé 10 sujets. Moi, mon sujet, c'était que le Seigneur me guérisse. Nous sommes passés à l'hôpital, ils ont dit nous sommes vraiment qu'ils ne savaient pas où avoir cette somme. J'ai crié au Seigneur, qui pourvoit cette somme? Et après le renversement des principautés, il y a 3 frères qui sont engagés pour faire mon opération. Et après mon opération, Dieu a permis que mon opération vienne à l'existence. Après mon opération, je ne voyais plus clair. Et j'ai appelé mon faiseur de disciples. J'ai dit, faiseur, je ne vois plus. Et mon faiseur est venu, il a refait mon brisement des liens. Et la nuit, quand je dormais, j'ai vu un homme qui est venu, qui était assis en face de moi. Et l'opéré au nouveau d'ici, il a enlevé une seringue. Et il a dit, c'est ça qui faisait que tu ne voyais plus clair. Je veux dire merci à Dieu, lui qui m'a délivré. Au nom de Jésus-Christ, amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Koudou Ouraga Hervé, je pour faire le disciple, le pasteur Gazo à Jean-François. Je veux dire merci au Seigneur qui m'a délivré du célibat et qui a délivré mon épouse de la mort. Je veux dire que le mariage est difficile dans ma famille, mais le Seigneur dans sa grâce a permis qu'en 2018, je sois délivré du célibat. Et par la grâce de Dieu, en 2020, le 5 décembre, le mariage est venu à l'existence. Gloire à Dieu. Satan ne s'est pas arrêté là. Ma femme a pris une grossesse et, gloire à Dieu, ma femme a pris une grossesse en 2021. Et en 2021, la grossesse a commencé à se développer normalement. Lors du renversement des principautés, pendant qu'elle était ici, il y a eu des manifestations où l'esprit disait que nous sommes venus la tuer, elle et l'enfant. Le pasteur travaillait même à intervenir. Par la grâce de Dieu, elle allait en coucher et le 23 novembre, l'enfant, elle a fait un monnaie. L'enfant n'est pas resté. Nous avons pleuré, on a rendu grâce à Dieu. Le Seigneur a permis qu'en 2022, en mars, ma femme encore prenne encore une grossesse. Et par la grâce de Dieu, la grossesse encore s'est très bien passée. Pendant que la grossesse s'évoluait, à 4 mois de grossesse, elle ne sentait même plus, elle ne sentait pas l'enfant bouger dans son ventre. Et lors du renversement des principautés 2022, pendant que le pasteur menait était en train de prier sur la prière de désenvoûtement, elle a commencé à rendre des salives, des crachats noirâtres. Et automatiquement, l'enfant a commencé à bouger. Nous sommes allés faire l'échographie et l'enfant a commencé à bouger dans le ventre. Par la grâce de Dieu, le 9 décembre 2022, ma femme a mis au monde une jolie petite fille que j'ai appelée la sœur Promesse. Je veux infiniment dire merci au Seigneur qui m'a délivré du célibat et qui a délivré mon épouse de la mort. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Boucan Victorine. Je suis le disciple de pasteur Mille Boniface. Je voulais rendre toute la grâce au Seigneur parce qu'il m'a délivré pour deux cas, la délivrance de l'esprit de mort et la guérison authentique qu'il m'a accordée. Frère, je suis tombé malade pendant une semaine. Et en même temps, par la grâce du Seigneur, il y avait le dernier UNPJ. Et le Seigneur m'a dit, va trouver ta mère. Va pour qu'elle prie pour toi. Frère, partout où j'étais parti, j'étais environné de l'esprit de mort. Mes parents venaient la nuit me chercher. Et lorsque je suis arrivé, la sœur Colette, quand je suis venu vers elle, il dit, je suis venu te voir pour que tu pries pour moi. Quand il m'a lancé comme ça, il m'a embrassé et il a commandé à l'esprit de mort de me quitter.
frère, j'étais délivré de l'esprit de mort authentiquement. Mais on acclame, délivré de l'esprit de mort. C'est pas la mort. Gloire à Dieu. Et à mon arrivée à la maison, je voulais soulever une cuvette alors que j'avais eu un accident pendant 10 ans. Le choc est revenu. J'étais paralysé. Et bien avant, j'étais venu voir mon faiseur. Et il a dit de faire mon brisement des liens. On m'a fait le brisement des liens. Premier brisement des liens, c'était difficile. Deuxième, frère, je ne pouvais même pas soulever la main pour saluer quelqu'un. J'étais paralysé. Je me suis relevé. J'ai salué. Aujourd'hui, je cours, j'ai fait le sport. Regardez ma main. Que le nom du Seigneur soit béni. Acclamation à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je suis le frère Nathan Abalé. Et mon faiseur disciple, c'est le pasteur Nguessan Mathieu, régional de Dabou. Gloire à Dieu. Le Seigneur a renversé la principauté d'un village. Et je voudrais témoigner. Alléluia. Nous sommes envoyés, mon épouse et moi, à Debrimou, dans un village de la localité de Dabou, le 21 février 2022. Quand nous sommes arrivés dans le village, frère, c'était difficile, même pour le logement. On ne pouvait pas avoir la maison, une maison même pour louer. Même pour louer, on nous refusait parce qu'on prêchait l'évangile. Gloire à Dieu. Et en 2022, quand la croisette est arrivée, nous sommes arrivés et c'était notre sujet de prière. Il fallait que le Seigneur nous donne une maison. Alors, quand nous sommes retournés après la croisade, le Seigneur, par une maman, la maman Agathe, qui est de vieille accro, nous a donné une maison avec une cour. Gloire à Dieu. Quand nous sommes arrivés à vieille accro, donc, nous avons commencé à prêcher l'évangile. Une première fois, nous avons trouvé quelque chose d'étrange dans la cour. Un poulet qu'ils ont découpé, ils ont mis dans le temple. Gloire à Dieu. Quand nous avons fini de prier, nous avons senti qu'il fallait qu'on fasse, on accélère dans la prière. Et donc, j'ai organisé une marche de prière pour le village. Et les disciples avec moi, nous avons commencé un jour à 4 heures du matin. Donc du point de départ jusqu'à un niveau, nous avons trouvé un monstre vis-à-vis. Il était très géant et il a un seul œil. Gloire à Dieu. Quand je l'ai vu, les frères étaient derrière moi. Je voulais en tout cas fuir. Mais j'ai dit que Jésus est avec nous. Gloire à Dieu. Et j'ai commencé à avancer. Quand j'avançais vers lui, il était encore un peu loin. Au fur et à mesure que j'avançais, il devenait petit. Il devenait petit. Jusqu'à ce qu'il soit comme un nain. Auprès de moi, il est passé. Gloire à Dieu. Deux jours après, nous sommes allés prêcher l'évangile. Gloire à Dieu. Je voudrais apporter un détail très important. Il l'a mentionné, mais il a été un peu rapide. Il s'agit d'une... C'est de la réalité. Ce n'est pas un songe. Il s'agit de la réalité. C'est un monstre qu'ils ont vu physiquement, réellement, pendant qu'ils étaient en train de faire la marche de prière. Donc je tenais à insister là-dessus parce que c'est très important. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Donc deux jours après, nous sommes allés dans le village. Parce qu'il faut souligner que dans le village, même les autochtones refusaient de donner la vie à Jésus. Et nous sommes allés prêcher l'évangile. Pendant que nous passions donc dans une cour, il y a une dame qui m'a appelé par derrière. Elle dit, « Pasteur, moi aussi, il faut me parler de Jésus. »
Jésus-Christ. Jesus Christ. Gloire à Dieu. Et avant qu'on ne vienne dans le village, une âme à qui nous avions prêché l'évangile, elle avait fait la repentance. Elle a dit que dans ce village, sur 100 personnes, 90 sont sorciers. Gloire à Dieu. Donc, avec cet esprit, la sœur, je l'ai conduit directement à la renonciation, à la sorcellerie. Gloire à Dieu. Et elle a renoncé à la sorcellerie. Au lendemain, je l'ai mise sur jeûne. Elle a fait la repentance donc. Après la repentance, je suis allé à la maison. Au lendemain de la repentance, elle-même, depuis 4 ans, elle ne marchait pas. Et elle nous a trouvés à la maison. Jésus-Christ. Elle-même, elle a marché et elle nous a trouvés à la maison. Gloire à Dieu. Et depuis ce jour, elle vit avec nous à la maison. Elle a refusé de vivre avec ses parents. Nous voudrions vraiment dire merci au Seigneur qui a renversé cette principauté. Que toute la gloire lui revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis le frère Baflon Germain. Je suis pour faire des disciples, le frère Jean-Christ Bas. Je veux glorifier le nom du Seigneur parce qu'il m'a délivré de l'esprit de drogue. Je souffrais pendant 30 ans. Je souffrais, je fumais la drogue. J'ai fumé toutes les drogues. Jésus. Mais Jésus, il m'a sauvé. Depuis, j'ai donné ma vie à Dieu. Vraiment, esprit de drogue, esprit de démoniaque. Jésus-Christ est Seigneur. Je voulais remercier le Seigneur. Je suis la sœur Yasmine Oupo. J'ai pour faiseur de disciples, maman Marie Kwame. Vraiment, je dis merci à Jésus. C'est le papa de mes enfants qui vient de passer. J'ai été délivrée du tabagisme. Moi, j'ai commencé à fumer quand j'avais 15 ans ou 16 ans. Jésus est merveilleux, vous ne pouvez pas comprendre. Le monsieur qui vient de passer, c'est le papa de mes enfants. Et ce monsieur, quand tu l'envoies à l'église, pendant que tu entends faire le culte, il te laisse dans l'église et puis il s'en va. À cause de ce qu'il vous a expliqué tout à l'heure. Quand je l'emmenais, c'est-à-dire j'étais dans d'autres dénominations avant d'arriver à la CMCI. Et quand tu vas à l'église avec lui, il te laisse dans l'église. Mais de façon authentique, franchement, je vais être reconnaissante envers Jésus. Je ne sais même pas comment manifester ma joie. Je suis dans la joie. Parce que ce monsieur a donné sa vie à Jésus. Ça fait 18 ans que je le connais. Il m'a séparé de ma famille. Tout le monde ne voulait plus me voir à cause de lui. Ma mère même là, c'est le jour de la fête des mères dernièrement qu'on s'est réconciliés. Pasteur Écra, tout le monde, tous ceux qui ont participé à notre délivrance, je veux dire, comme notre brisement des liens, savent l'histoire là, de ma maman. Ma maman m'attendait le jour de la fête des mères. Le papa de mes enfants qu'elle ne voulait pas voir là, elle était à la porte, elle attendait. Elle nous attendait. On est venu toute la famille le jour de la fête des mères. Il a acheté pain wax pour donner à ma maman. En fait, ce n'est pas le pain qui l'intéressait. C'est la personne qui est venue là. Elle a vu, elle était surprise. Et vraiment, je dis merci à Dieu pour la vie du papa de mes enfants. Pour moi-même, ma vie. Et il a donné le succès à ma fille. Elle a eu son entrée en 6e. Mon fils passe en classe supérieure. Ça n'a pas été facile, ma vie. Mais Jésus était avec moi, il m'a soutenu. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai été délivrée. Je veux lui dire merci. Le papa de mes enfants va me doter. Dans le mois d'août. Alléluia! Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je suis le frère Aouyan Eloïse Juliador. Et je vous faisais un disciple, le pasteur Kwasi Kanjounès. Il vient de la zone de Kumasi. Il vient de dire merci au Seigneur parce qu'il guérit véritablement. Gloire à Dieu! Il faut dire que le renversement des principautés passé, c'est-à-dire en 2022, il y avait 10 sujets de prière que j'avais élevés au Seigneur. Et parmi ces 10 sujets, j'avais dit au Seigneur de me guérir totalement de la toux. Parce qu'à chaque fois que je dormais, tard dans la nuit, je toussais beaucoup. Et j'avais la gorge qui me faisait très mal. Et j'avais mentionné cela dans le cahier. Et frère, après le renversement des principautés, ça continuait. Mais je persévérais dans la prière.
Et une fois, je marchais dans la rue et j'ai constaté que la toux avait disparu. Le mal de gorge avait disparu. Et j'ai compris que je suis guéri effectivement. Donc, frère bien-aimé, si tu es malade, crois que Jésus va te guérir et il va te visiter tout à l'heure. Que le Seigneur bénisse abondamment. Amen.